very much indeed to Mrs. Maryam Rajavi, our keynote speaker this afternoon, ladies and gentlemen. Mrs. Rajavi, our heartfelt gratitude for your inspired leadership, for your vision, and for your example. It's my absolute pleasure and honor to be stood here before you. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Allow me, ladies and gentlemen, first and foremost, to bid you a very warm welcome to the third day of the Free Iran Summit of 2024. What an absolutely extraordinary Free Iran Summit this has been. Commencing in Berlin on Saturday with a historic rally that was attended by tens of thousands of people, echoing the voice of the Iranian people and demanding a free, a democratic, and a secular Republic of Iran. During the course of the first 2 days of this summit, we have heard from presidents, from vice presidents, from prime ministers, from ministers, also from lords, from baronesses, and a remarkable number of distinguished parliamentarians from around the world. In fact, ladies and gentlemen, over 4,000 lawmakers representing 50 countries have supported Mrs. Rajavi's 10-point plan for a future democratic Republic of Iran. What an absolutely remarkable achievement this is, that I do believe is absolutely unparalleled anywhere in the world. So it would be remiss of me to be stood here before you and not to take this opportunity to congratulate Mrs. Rajavi, to congratulate the National Council of Resistance of Iran, but above all, to congratulate the people of Iran. The phenomenal success of the Free Iran Summit is very much a testament to the righteousness of the Iranian people's path and destiny, and that is, of course, to overthrow the barbaric and the savage regime in Iran. It is also very much a testament to the legitimacy of our resistance movement and our leadership. Ladies and gentlemen, during the course of today's gathering, we will be hearing from an array of esteemed and distinguished individuals hailing from the fields of law and politics and human rights. They will shed light on both the historic human rights violations in Iran, but also the human rights violations that are taking place to today, many of which do meet the threshold for crimes against humanity. And without further ado, I'm absolutely delighted to introduce to you our very first speaker. Ladies and gentlemen, our next speaker really does require very little introduction, as he is very well known to a great number of you. He is a former Norwegian Member of Parliament, a former member of the Foreign Affairs Committee of the Norwegian Parliament, and he is a long-standing friend of the residents of Camp Ashraf and our resistance movement, Mr. Lars Rising. لارس ریسه رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در نروژ. در شرایط بی‌ثباتی رو به رشد، حکومت تهران تلاش‌های خود را برای تضعیف جنبش مقاومت تشدید کرده است و یک توهم ایجاد کرده که تغییر رژیم غیر ممکن است. حمایت از کانون‌های شورشی برای جامعه جهانی در مقابله با سپاه پاسداران و پیشبرد ایران آزاد و دموکراتیک بسیار مهم است. طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی چشم‌اندازی متحول کننده برای ایران ارائه می‌دهد. هدف این برنامه از بین بردن میراث تاریک شاه و شیخ و هموار کردن راه برای ایران آزاد، شکوفا و صلح‌آمیز است.
Mrs. Mariam Rajavi, all my friends in Ashraf, all political prisoners in Iran, Excellencies, ladies and gentlemen, for more than 25 years, I have been working side by side and been part of the Iranian resistance. Through this period of time, I have observed a substantial change which may have global impact. The encouraging news is that we are in a much stronger state now than ever before, while the regime is more vulnerable than ever before. During these years, I have encountered a multitude of allegations against our movement. Since the day I first voiced my support as a Norwegian parliamentarian, these accusations have been relentless. However, my own examination of each claim has revealed them all to be baseless. These falsehoods have been propagated by the Iranian Ministry of Intelligence and Security, the MOIS, its operatives, sometimes refugees who would come to my office in the parliament with poor clothing and with some homemade leaflets saying that they were survivors from the Mujahideen. And though all those claims have been further promoted by regime-friendly media and advocates of appeasement towards the mullahs, in a situation with growing instability, Tehran has intensified its efforts to undermine the resistance movement, creating an illusion that the regime change is impossible. A clear example of the regime's fear of the resistance is a sham trial they have set up in absentia for leadership of the resistance and more than 100 of its members. They publicly acknowledge that they want to prevent the growing trend of young people joining the movement and also to lay the groundwork for terrorism abroad. Within Iran, the clerical regime maintains its grip through severe repression to silence any organized opposition. Nevertheless, as we have seen on the walls here, the MEK counters these tactics with resistance units. We saw 20,000 of them, small effective teams operating in neighborhoods, schools, and workplaces. These units are crucial in sparking and sustaining protests, defying regime crackdowns, and mobilizing widespread dissent against oppression. The regime itself acknowledges the organizational strengths of these units and their potential to influence broader uprising. Recognizing and supporting these resistance units is crucial for the global community in challenging the Revolutionary Guard and advancing a free and democratic Iran. Mrs. Mariam Rajavi's 10-point plan presents a transformative vision for Iran, addressing the oppressive, violent, and warmongering history of the mullah's regime over the past 45 years. The plan aims to eradicate the Shah's and the mullah's dark legacy and pave the way for a free, prosperous, and peaceful Iran. The 10-point plan is equal to the main principles of the European Convention on Human Rights. Adopting Rajavi's 10-point plan is crucial for realizing the aspirations of the Iranian people. This pathway leads to peace in the region and a free, prosperous, and globally respected Iran. And now to all of you political prisoners in Iran, I have this message. We stand with you, and we will not forget you. You are an encouragement to the whole world. Your perseverance, your firm conviction, and your love for your country, and never giving up the hope for freedom. Azadi, Azadi. Ladies and gentlemen, moving swiftly on to our next speaker this afternoon, who is another old friend
of the democratic aspirations of the Iranian people and our resistance movement. He is Mr. Alain Vivian, and it is our immense pleasure that he was able to join us here this afternoon. Please do join me in welcoming him. آلن ویویان وزیر پیشین امور اروپایی در دولت فرانسه: می‌خواهم به ملت‌های دموکراتیک فراخوان بدهم که مقاومت ایران را به رسمیت بشناسند، همانطور که انگلستان مقاومت آزادی‌خواه فرانسه را در سال 1940 به رسمیت شناخت. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord saluer le magnifique discours de la présidente qui nous accueille aujourd'hui au nom de l'ensemble du peuple iranien. Voilà quelques années que nous avons pris conscience des drames que cause l'instauration d'un système archaïque, confessionnel et totalitaire dans une des plus grandes nations historiques du monde. Et nous n'oublions pas le rôle éminent que l'Iran peut jouer, non seulement par rapport à ses propres habitants, mais dans la région où son importance, son influence peut s'exprimer. Nous avons sans doute le tort, nous autres Français, d'accueillir à nos châteaux quelqu'un que l'histoire ne retiendra pas, je l'espère. Mais nous nous félicitons que ce soit ici, en France, que se tienne ce congrès international si important pour rassembler tous ceux qui veulent aider nos amis iraniens à sortir de cette triste histoire. Trop souvent, nous avons appris par des moyens divers, pression politique, faux diplomates, proposition, volonté de déposer une bombe, intervention auprès de journalistes probablement stipendiés, pour dire aujourd'hui le mépris que nous pouvons avoir à l'égard de tels procédés. J'ajouterai en plus cette ignoble manière d'utiliser les otages pour en faire en quelque sorte une monnaie d'échange. Et combien regrettable la légèreté de quelques politiques parfois qui sont prêts à négocier sur ces bases. Chers amis, je ne voudrais pas faire un discours très long. Je voudrais saluer bien sûr la résistance iranienne, ses martyrs, ses combattants, saluer tous les juristes et tous les femmes et les hommes qui combattent à leur côté et dont les travaux en particulier sur le plan international sont d'une première importance. Mais je voudrais lancer une sorte d'appel. Que les nations démocratiques reconnaissent donc la résistance iranienne comme l'Angleterre avait reconnu la résistance des Français libres en 1940. Ce que ni les Français ni les autres Européens n'ont oublié. Voilà l'appel que je me permets de lancer, et encore une fois, de tout cœur avec ceux qui battent pour la liberté, pour la laïcité du monde et pour, bien sûr, la paix entre les peuples. Ladies and gentlemen, we are now going to move on to our next speaker this afternoon. I'm thrilled to introduce her to you. She is from Norway. She is the former first vice president of the Norwegian Parliament and a former president of the Nordic Council, and was in fact the deputy speaker of the Norwegian Parliament. Ladies and gentlemen, it's our great honour that she does join us here. Please do put your hands together for Marit Nybakk. ماریت نیباک، نایب رئیس اول پارلمان نروژ 2017. شورای ملی مقاومت ایران تحت رهبری خانم مریم رجوی امروز معتبرترین گزینه برای رژیم حاکم است. شورای ملی مقاومت به طور مداوم قابلیت‌های سازمانی، رهبری واضح
و تعهد به ارزش‌های دموکراتیک خود را نشان داده است. Thank you, Madam Chair. Madam Rajavi, dear friends. First, it's very nice to be here again. I was here 2 years ago, that was in Tirana. It was a very big event. And when I attended the Free Iran Conference in Tirana 2 years ago, I started by underlining that we are many who care and who stand up for the Iranian people and work for the free and the democratic Iran under the leadership of Madam Maryam Rajavi. And I can really, really repeat that now. Iran is today ruled with strong control, even worse than ever before in a republic from 1979. And it is difficult to see any change of regime with a strategy to have absolute suppression, including mass arrests, torture and executions, as we've heard, to get rid of the opposition. The Iranian regime holds some world records, and we've heard them from Madame Rajavi. They hold the world record for public execution and death penalties, 1864 in 2023 and 582 in 2022. And we are talking about a regime still legalizing what I call gender apartheid. It's in the law. We have this last year witnessed manifestations with thousands of women, and a lot of journalists and activists have been arrested. The protests against capital punishment, death penalty is increasing. I could add that we know that Iran has probably everything they need to produce a nuclear weapon. A Norwegian journalist recently wrote that the tragedy of the Iranian people is that they are caught inside their system, unquote. But dear friends, there is actually an alternative. The National Council of Resistance of Iran, under the leadership of Madam Maryam Rajavi, is today the most viable alternative to the current regime. The NCRI has consistently demonstrated its organizational capability, their clear leadership, and commitment to democratic values. And now, dear friends, including the 10 points, of course, the 10 points plan for the future of Iran, the roadmap to a democratic society. I think that a change is only a matter of time. And maybe the mullahs should bear that in mind. We wish Madam Rajavi all the best. Good luck. You will succeed. Ladies and gentlemen, our next speaker is the first of a number of exceptionally distinguished lawyers. He is the former president of Val d'Oise's Provincial Bar Association. Indeed, and please do join me in giving a very warm welcome to Gilles Parouel. ژیل پاروئل رئیس کانون وکلای استان والدواز
معتقدم که در ایران دموکراسی بدون احیای عدالت تحقق نخواهد یافت. تنها زمانی در ایران عدالت واقعی برقرار خواهد شد که سریال معاملات ننگین کنونی توسط رژیم ایران و بازداشت، گروگانگیری و دستگیری اتباع خارجی به اتهام‌های واهی برای مبادله با مجرمان رژیم که به جرم تروریسم دستگیر شده اند توقف یابد. Madame la présidente, mesdames et messieurs les hautes personnalités, et puis tout autour, je crois, il y a nos amis d'Ashraf qui sont là, ils nous écoutent. Je fais partie de ceux qui ont eu l'extrême chance, si je puis dire, de les suivre, que ce soit en Albanie, bien sûr, mais également en Irak à plusieurs reprises. Je leur fais un grand coucou et je pense beaucoup à eux. Mesdames et messieurs, nous voici une nouvelle fois ensemble pour clôturer ces trois jours de sommet qui a été particulièrement réussi. Et je suis assez fier d'être ici à cette tribune, à cette place. Mais, je n'interviens pas aujourd'hui en qualité de politicien, bien évidemment que non, mais en tant que juriste. Car je reste persuadé qu'en Iran, il n'y aura pas de démocratie sans restauration de la justice. Vous avez indiqué, Madame la Présidente, tout à l'heure, quelles étaient les violations quotidiennes des droits humains en Iran. C'est une politique qui existe depuis si longtemps. Ça fait 40 ans que je vous connais et que je suis votre mouvement. 40 ans avec notre cher M. Becquet, qui est ici également à vous soutenir. Soyez certains, Madame la Présidente, que les intervenants qui se sont succédés justifient la réalité de votre mouvement et la reconnaissance de l'action de votre résistance dans le monde entier. Mais, comme je vous le disais, c'est en juriste que je vais intervenir aujourd'hui. Comme je vous le disais, la justice, c'est la démocratie, ou plus exactement, il n'y a pas de démocratie sans justice. Et il ne pourra y avoir en Iran de véritable justice que lorsque l'Iran s'affranchira des marchandages honteux, on en a déjà parlé il y a quelques instants, actuellement en cours, où d'honnêtes ressortissants étrangers sont pris en otage, arrêtés, inculpés de fausses accusations, puis échangés contre des criminels du régime à l'origine d'actes de terrorisme. Ce fut le cas, et je serai assez rapide, ce fut le cas pour ne parler que des dernières années en 2018, lorsqu'après la tentative d'attentat de Villepinte, le triste Hassani, diplomate iranien spécialiste d'un autre côté en balistique et en explosif, membre de surcroît des services de sécurité des Mollahs, a dû être honteusement échangé en Belgique contre un humanitaire, Olivier Van de Castel. En septembre 2023, 5 ressortissants américains étaient changés contre 7 condamnés iraniens dans des conditions d'ailleurs qui sont peu avouables. Dernièrement, 2 Suédois ont été également échangés, dont un diplomate de l'Union européenne contre Hamid Nouri, qui purgeait une peine de prison à vie pour son implication dans les exécutions de masse de 1988, dont la plupart, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, étaient des membres de votre résistance. Les associations des droits de l'homme de Suède parleront d'un marché de la honte pour la Suède. Et puis que dire de la libération du Français Louis Arnault il y a quelques jours? L'on attend de connaître la monnaie d'échange en espérant, Madame la Présidente, que ce ne soit pas aux frais de votre mouvement. Téhéran détient encore, mesdames et messieurs, 8 otages européens, dont 4 Français, dont le seul objet est l'échange avec la libération de criminels, comme je le disais tout à l'heure, iraniens détenus à l'étranger. Si la justice en Iran ne se fera
se fera plus exactement sans ces marchandages, il faudrait également qu'elle se fasse sans les attentats qui sont effectués par le régime. Nous avons failli connaître en 2018 à Villepin, heureusement, il n'y a rien eu et il n'y a eu aucune victime en ce qui se concerne. Et puis dernièrement, le 9 novembre, c'était la tentative d'assassinat de notre ami, l'ancien vice-président du Parlement européen, Vidal Quadras, que je salue aujourd'hui, lui qui avait tant œuvré pour votre mouvement pour faire en sorte que l'ONPI sorte de la liste des organisations terroristes. Et puis la justice, eh bien, ne pourra s'affranchir de ces procès dont vous faisiez état tout à l'heure, Madame la Présidente, car pour les Mollahs, il faut véritablement que vous soyez tous condamnés. Vous avez dit une centaine, en fait c'est 104 membres de votre éminent, de votre mouvement qui sont poursuivis dans des procès actuellement à Téhéran, des actions qui sont engagées sans aucun motif véritable, dont même mon cher ami le docteur Saleh Rajavi fait partie de ces prétendus coupables. Tous les membres influents de l'OMPI sont visés sur des accusations d'inimitié de Dieu, et de responsables d'attentats fictifs. Tous les mardis, la télévision relaie les audiences de cette justice fantoche. En fait, le régime iranien cherche à obtenir des jugements qui pourraient lui permettre enfin d'obtenir d'Interpol la délivrance des fameuses notices rouges contre les condamnés, et ce qui lui a été jusqu'à présent refusé par les autorités. Le procédé est grotesque, nous le savons. Il est organisé par une justice qui n'est ni indépendante, ni juste, ni impartiale, et rendue par des magistrats qui ne sont que des membres de la sécurité à la solde du régime. Alors il nous faut réagir, mesdames et messieurs, et il faut agir, je pense, en médiatisant et en dénonçant les procès qui sont engagés à Téhéran, qui sont sans aucune justification, en rappelant, et c'est important, les règles de droit qui sont inexistantes dans un pays où, comme vous le rappeliez, Madame la Présidente, les condamnations à mort ne cessent d'augmenter, faisant en sorte que l'Iran est le pays qui a le plus de condamnations par habitant. Et peut-être, Madame la Présidente, et c'est un vœu pieux, pour les plus courageux d'entre nous, de se proposer comme observateur dans les procès en cours, voire de proposer d'assurer la défense des intérêts de ces gens, mais je pense que c'est absolument impossible, cela reste un vœu pieux. Voilà les quelques mots que je voulais vous faire passer, mais bien évidemment, je ne peux pas terminer sans parler à mes chers compagnons. Je dis compagnons car j'ai eu la chance d'appartenir à une de leurs compagnies quand j'étais à Ashraf à plusieurs reprises. J'ai eu la chance, l'honneur de partager la condition de ces résistants à plusieurs reprises. Ils sont dans mon cœur et j'aimerais un jour pouvoir leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné de courage et d'abnégation. Voilà, je vous remercie.